Musique contemporaine, c'est une case, c'est un mot. C'est fait aussi pour vendre dans les bacs, pour référencer. On en a besoin, hein, c'est vrai, pour donner une vision à peu près de ce que c'est. Mais au Canada, ils appellent ça musique nouvelle, par exemple. Et je trouve que c'est un... Ou creative music, aux États-Unis. Je trouve que c'est quelque chose qui correspond mieux. Musique créative, c'est la musique qui se fait sur le moment, qui s'invente sur le moment de notre décennie, de notre siècle. À partir du moment où on est compositeur, on se pose forcément des questions, les questions de la perception, enfin en principe. C'est pareil, on ne fait pas les choses pour soi, ou en tout cas pas que pour soi. On fait les choses pour qu'elles soient reçues, partagées. Dans ma musique, je privilégie beaucoup la... Enfin, j'essaie de privilégier la résonance. La résonance des sons, laisser vivre les sons le plus possible. Donc des fois, ils sont bruts. Après un morceau de Mozart, c'est encore du Mozart. Oui, parce qu'il y a, ça aussi, c'est une résonance, même si on n'entend plus à l'oreille. Il y a toujours... la résonance, c'est ça. C'est pas seulement la percussion résonance, le son en lui-même, c'est ce qu'il y a après ailleurs, qui reste, qui perdure. Ben, la musique classique au départ, bien sûr, Mozart, ben, toujours Stravinsky, qui me reste aujourd'hui vraiment un. Puis tous les contemporains qui sont même morts aujourd'hui, donc est-ce que c'est encore des contemporains, mais Ligeti par exemple, Messiaen, voilà. Et puis le jazz aussi, le free jazz essentiellement, Ornette Coleman, John Coltrane, certaines musiques du monde, enfin appelées du monde, mais la musique celte par exemple. Gens qui disent ah, la musique contemporaine, ah ouais, le bruit là, ça revient. Alors que le bruit peut être très beau, hein, ceci dit. Mais bon, c'est assez connoté. Et puis des fois, ils viennent au concert, et la plupart du temps, et à la fin du concert, ils me disent ah, mais je connaissais pas du tout, mais vraiment, j'ai vraiment passé un super moment. Ah, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter ça. Je suis à un moment où, pour moi, ça me paraît évident. Et je sais que c'est pas la plus simple, la plus facile de voir, mais ça me paraît évident parce que j'ai compris beaucoup de choses, en tout cas, il me semble. Que ce soit même dans mon travail que je fais dans les ateliers, pour des gens musiciens, l'atelier être musique, c'est exactement la même chose. Il y a des choses auxquelles je crois. Fondamentalement, voilà, que le son a un véritable impact sur les gens, qui peut procurer de la joie, de la tristesse, des émotions, des tas de choses. Et donc, moi j'écris de la musique comme ça et je ne me pose plus la question. Quand c'est sur le papier, c'est joué, parce que le but final est là, et entendu. C'est comme si c'est une évidence pour moi.